Bonjour, je suis actuellement avec une étudiante qui va nous présenter sa filière et nous parler d'une animalerie située à Rennes. Bonjour, nous sommes des BTS en technico-commercial du lycée du Menet et le jeudi 8 février, nous sommes allés visiter Envie Animale située à Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est une animalerie qui existe depuis 1995, elle a été créée par Monsieur Fleury. Qu'est-ce que ce magasin a de si spécial ? Alors, ce magasin propose une grande diversité d'espèces telles que les tortues, perroquets, serpents, rongeurs et des poissons. De plus, de nouveaux animaux arrivent chaque mois. Certains sont des espèces rares comme le python moulure, les haras, les cacatoès à huppe orange, etc. L'équipe de vendeurs est constituée de passionnés qui sauront vous orienter et vous conseiller au mieux dans vos choix pour votre animal de compagnie. Nous allons vous présenter les étapes de la mise en eau d'un aquarium d'eau de mer, de l'achat à l'acclimatation. Quelles sont les différentes espèces que vous avez choisies ? Donc les différentes espèces choisies, nous avons un Acanthurus leucosternon, un Pteropogon codemi, un Centropyge acanthops, un Sphaeramia nematoptera. En crevettes, nous avons donc choisi l'Ismata amboinensis, l'Ismata grabami et Sthenopus ispidus. Ensuite un oursin, donc Diadema cetosus, et une encastère, donc une étoile de mer. Une fois le retour en car effectué, nous nous rendons à l'animalerie du lycée pour commencer l'acclimatation. Quelles en sont les étapes essentielles ? Tout d'abord, nous préparons le matériel pour le siphonnage, ainsi que deux seaux. On verse les poissons vertébrés dans un seau, et dans un second seau, on verse les coraux et les invertébrés. Ensuite, on effectue un siphonnage de l'aquarium au seau, afin d'obtenir un goutte à goutte, puis faire un nœud à l'extrémité du tuyau. Ensuite, au bout de 20 minutes, quand les seaux ont recueilli assez d'eau de l'aquarium, nous mettons les poissons un par un dans celui-ci. Deux semaines après l'acclimatation, les nouveaux poissons se sont bien adaptés à ce changement.